Un désert si vaste que notre ami a parcouru avec beaucoup de difficultés, beaucoup de manettes déconnectées, mais il est toujours vivant. Le pro-chevalier Oliver Plasma va maintenant continuer sa quête dans le troisième temple. Donc alors, bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour le troisième temple. Ah, il y a aussi, là, il y a une espèce de petite énigme. Et si je me souviens bien, il faut regarder la carte. Voilà, c'est l'électricité en haut. Ouais, c'est une petite énigme juste avant le temple, hein. C'est pour bien me conditionner, hein. Vous savez. Voilà, il faut peut-être le tourner. Peut-être que l'eau, c'est peut-être à gauche. Enfoncer, on va voir. Mais c'est bon, après il y a quoi? Après il y a l'éclair, c'est en haut, mais c'est le dernier lui. Le feu. Après il faut se démonter. Faut se démonter le poignet en 8. Hein. C'est pas possible. Ah voilà, j'ai réussi. Petite énigme fort sympathique. Pour enclencher ce mécanisme futuriste. Alors que c'est dans le passé en fait. Ouais, puisque là, grâce à des chronolithes, ce sont des pierres précieuses, des espèces de pierres précieuses qui brillent. Et grâce à ces chronolithes, on peut remonter le temps. Voilà, le temple, le magnifique temple. Donc voilà, avec ces chronolithes-là, par exemple, si je le touche, voilà, il y a une portion du niveau qui ne fait plus partie du passé. Enfin, par exemple, là, on est dans le présent, et dans le présent, c'est plutôt un désert avec du sable, tout ça, c'est le classique, quoi. Et c'est tout rouillé de partout, alors que là, quand on va dans le passé, voilà, quand on est dans le passé, on voit la déchirure, on voit la différence entre le passé et le présent. Voilà, la déchirure, là, par exemple... Là, je suis dans le présent et là, je suis dans le passé. Et je trouve que c'est une bonne idée de la part des développeurs d'avoir mis ce genre de choses. Grâce à ça, on peut vraiment faire des énigmes assez conséquentes, assez spéciales et assez spécialisées de cet épisode. C'est pour ça que c'est une très bonne idée. Il y a vraiment des bonnes idées dans ce Skyward Sword. Mais bon... Vous verrez dans ce temple, je pense que dans ce temple là on va déjà avoir pas mal de quêtes avec les chronolithes, hein, d'énigmes. Papa, le grand Link, alias Oliver Plasma, va rentrer dans le donjon le plus dangereux. Le donjon du sable. Ça le fait pas trop. Donc voilà, le temple 3, le temple, c'est la raffinerie de l'Anel. Temple du sable, en gros. Raffinerie de l'Anel. Il y avait aussi un temple du sable, je crois, dans The Legend of Zelda, Twilight Princess. Enfin, Twilight Princess. Et voilà, vous avez vu aussi mon magnifique bouclier. Je sais pas si je vous en ai parlé. Oui, j'ai upgradé mon bouclier en bois. Et à côté, j'ai mon bouclier en fer, en ferraille, bien costaud, qui est toujours là. Je sais plus si j'ai déjà amélioré. Si, je pense que je l'ai amélioré une fois. Mais... Je pense que quand j'ai fait la vidéo avant, il était déjà amélioré. Mais voilà, mon bouclier en bois est si beau, si majestueux, c'est un bouclier de barbare. Bon, et surtout qu'il faut utiliser le bouclier en bois dans ce genre de niveau. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui sont, comme lui, électrisés. Enfin, y a beaucoup des... On risque de se faire électrocuter. Parce qu'il nous envoie des décharges électriques. Et donc, il faut faire gaffe, il faut surtout pas prendre le bouclier en fer. Parce que bien sûr, le fer, c'est conducteur électrique.
C'est un conducteur électrique, donc voilà. Si j'ai pas testé, c'est bien pire de se faire toucher avec... Enfin, je crois... Je suis pas sûr, mais je crois si on se protège avec... Genre là, si je fais ça... Voilà, là, je me suis protégé avec mon bouclier en bois, je me suis viandé. Mais c'est pas grave. Si j'avais fait pareil avec le bouclier en fer, je crois que je serais quand même touché. Comme une merde. Et voilà, le bouclier en fer n'est pas d'une grande utilité. Comme le bouclier en bois dans l'ancien niveau, dans le temple 2, c'était le temple du feu. Donc voilà. Faut faire gaffe parce qu'il faut pas tomber. Est-ce qu'il y a des bombes posées par terre? C'est ça que je me demande. Déjà, on va balancer une bombe ici. De toute façon, tous les trucs là que vous voyez là, de balancer une bombe ici, ces mécanismes, je les ai déjà vus auparavant. Avant ce temple. Donc on va dire que c'est pas un problème. De toute façon, voilà. J'ai déjà fait le jeu encore une fois. Voilà, les petits scorpions qui sont un peu inutiles. Ah mais quand j'ai fait évoluer mon bouclier, j'étais obligé d'utiliser des griffes de monstres. Et les griffes de monstres, on n'en trouve pas à chaque fois. Hein. On trouve beaucoup de chauves-souris, mais elles nous lâchent presque jamais des griffes de monstres. Et ça fait un peu chier. Bon, ce temple, il va être surtout... Aïe, mais aussi ça, avec mon nouveau scarabée ultime, qui a été un peu upgradé, parce que maintenant, il a, on peut porter des bombes, ou d'autres objets. Voilà, ça peut permettre de faire ça, d'augmenter encore plus la jouabilité, pour que ça soit encore plus fun. Je trouve que ce scarabée, de toute façon, est une très bonne idée hein, dans ce Zelda. C'est le meilleur item du jeu presque. Mais je l'ai pas encore upgradé parce qu'on peut l'upgrader pour qu'il aille plus vite. Mais je l'ai pas encore fait. Il y a trop de conneries à voir, je peux pas l'upgrader. Mais parce que des rubis on en a à chaque fois. Donc ça c'est pas un problème les rubis. Mais par contre, à côté de ça, il faut aussi avoir des... Bah des matériaux. Et là je fais n'importe quoi. Ça c'est ennemi de merde. On l'a déjà rencontré dans le premier donjon. Enfin, le premier temple. Faut que j'arrête de dire donjon parce qu'ils appellent ça des temples maintenant. Que la raffinerie de l'anel. Voilà, ils nous lâchent à chaque fois un rubis rouge donc ça fait plaisir. Voilà, eux, ils nous larguent des fois quelques items un peu insignifiants. Allez, j'ai aussi upgradé mon filet à papillon. Attention! Attention, je vais capturer le scorpion! Non, d'accord, c'est ridicule. Et voilà, avec le filet à papillon bien plus gros, maintenant, je peux capturer... des insectes beaucoup plus facilement. Et comment on pousse ce truc déplacé? Je vais péter ça, non, on peut pas. En fait, ça sert à rien. Je pense qu'il faut aller ailleurs. Ou alors, non, ça me semble trop quand même. Même si on pousse le truc. Je sais pas si ça on peut déplacer, purée. C'est pas vrai, il est con, il fait exprès. Il monte au lieu de le pousser. Ah bah si, il fallait faire ça. Petite énigme facile. Je crois que je l'ai pas fait en mode héroïque ce donjon. Enfin ce temple, donc. Ça va être du freestyle. Une petite statue de sauvegarde. Bon bah on va quand même sauvegarder hein, parce qu'on est des chochottes. Voilà. Je sauvegarde alors qu'on est même pas à 10 minutes de jeu. Ah si, 10 minutes, ouais.
Pourtant l'intro 11 minutes. Si on... Là, ces ennemis là ils sont horribles, si... S'ils vont sur nous, s'ils s'attachent sur nous, là, on peut plus rien faire, c'est la catastrophe. Donc là on peut pas passer. Enfin, si on peut. On peut s'en défaire quand même s'ils s'attachent sur nous, mais mais après on perd pas mal de vie puisqu'il faut que de nous électrocuter, enfin nous électriser. Plutôt parce que bon. Nous tue pas. Sauf si on fait n'importe nawak. Enfin, moi, ils m'ont bien fait perdre. Vu que je suis en mode héroïque, ils m'ont bien fait perdre. Bah, la moitié de mes cœurs. Comme vous voyez là. Oh, même plus de la moitié de mes cœurs quand même. Ah, une clé. Une petite clé. Ça commence bien. Ça commence très bien. D'accord, ça commence très mal en fait. Non, il faut beaucoup d'allers-retours à faire, mais bon. De toute façon, la force des Zelda, c'est les temples. C'est pour ça que je vous montre plutôt les temples. Même si bah, je vous mettrai de toute façon les Zelda Skyward Sword, je mettrai ça avant Zelda Twilight Princess. Parce que Twilight Princess, j'avais déjà fait des parties, quelques parties avec vous. Mais j'ai fait aucun donjon. Donc je ferai le premier donjon avec vous. Et puis les autres donjons comme j'ai fait avec Wind Waker et que je vais faire aussi avec ce Skyward Sword. Tout simplement. Alors voilà, la clé. Voilà. Qu'est-ce que je suis fort quand même. Je me repère assez rapidement là, il faut que je gère comme avant. Sauf que faut pas que je crève à la fin, comme une merde. Surtout que là j'ai pas de... J'ai pas de fée, j'ai la flemme d'en chercher et... Et puis merde, aussi ça c'est. Ça nous donne 8 cœurs quoi, c'est pas rien. C'est presque tous mes cœurs quoi. J'en ai 9. Ok, comment on se les fait ceux-là déjà? Hop. Ah, je m'en souvenais même plus qu'ils explosaient. Purée. Saloté, va. Ouais, il faut les avoir avec le scarabée. Bien sûr. Oh putain, mais j'ai cru que je l'avais eu. Bon, ça, il nous touche pas, ceux-là. Peut-être qu'il nous grignote un peu notre vie quand on... Quand il s'attrape. Quand il s'attache sur nous. Je fais des coups n'importe comment. Mais c'est comme ça que ça marche. Ça par contre les échelles. D'accord. Ça servit à rien du tout. Oh putain non pas eux. Pas lui. Surtout pas ça. Surtout pas ces ennemis là c'est les pires. Ouais je suis comment. Bon bah. Adieu. Monde cruel. Non mais on perd pas de vie quand on tombe dans le sable donc on s'en fout un peu. Sinon je sais pas quoi faire. Je sais plus ce qu'il y avait à faire. Je réfléchis. Bon alors on peut pas rentrer dans ses yeux. C'est pas possible. Pas... Ah bah il y a une bombe là-bas. Ah mais bien sûr. J'avais même pas vu cette bombe à 2 balles. Ah, et même en refaisant le donjon quand même, on a un peu de mal. Putain non. Mais c'est pourri. Ce scarabée il met 3 plombes à tourner. Pourtant je suis complètement... Je suis complètement désarticulé là. Oh non mais qu'est-ce qu'il me fait. Mais je vais à droite. J'allais à fond à droite et il fait du freestyle. Je comprends pas. Ça ou alors. Si pourtant là ça marche bien. C'est quand il tient la bombe il est bugué ou quoi. Alors, en fait faut faire un tout petit peu. Ah.
Ah, et j'ai vu un chronolithe. Bon, je vais d'abord me faire cette... Ah mais non, attendez. Il y a un truc juste à côté. Attendez. Il y avait un... Oh bon, on s'en fout, on ira... On ira dessus, on ira juste dessus. On mettra pas la caisse dessus, de toute façon, parce que je peux pas la mettre. Hein, vu que je peux pas monter à cause de cette caisse. Qui me barre la route. Que je vais exploser. Bon bah c'était ça, puisqu'il y a la musique. On va monter. On va remonter le temps. Mais c'est pas du tout à la manière de Prince of Persia. Faut être patient. J'aimerais bientôt l'évoluer, le scarabée, parce qu'il va à deux à l'heure. Bon voilà. J'hésite si je veux utiliser mon truc ou pas. Enfin, mes potions. C'est une grosse hésitation là. Moi je vais en utiliser une parce que bon, il y a quand même pas mal d'ennemis là et je vais peut-être faire du freestyle, je vais peut-être faire n'importe quoi. Voilà, réussi avec brio. Et puisque ceux-là faut les avoir une fois à l'horizontale et une fois dans l'œil. Coup des stocks, ça fait mal. Ouais, et j'ai failli tomber. Mais des fois ils auront plusieurs colonnes, ils en auront deux je crois. Il faut avoir juste deux fois horizontalement et voilà. Après c'en est fini. Un petit coup d'estoc et c'en est fini. Encore une phase assez originale que je vais pas faire. Je vais plutôt monter l'échelle d'abord. Voilà, puisque il faut toujours actionner les interrupteurs avant d'aller je sais pas où. Et c'est là qu'on va aussi avoir comme item le sèche-cheveux 3000. C'est pas possible. Ouais, une espèce de jarre qui tire de... Je sais pas, de la magie vaudou. Donc vous allez voir. Grâce à ça, on enlève le sable, les modes de sable. C'est fort pratique. Et c'est vraiment une drôle d'idée, parce que bon, voir Link faire la femme de ménage... C'est une drôle idée. L'élu de la déesse qui va nettoyer son jardin. Bon bah là, pour l'instant je me débrouille plutôt bien, j'ai envie de dire. J'ai pas trop de fail. Juste au début contre les dragons à trois têtes là. Ah. Je vais ouvrir quelle porte là? Ah si, la porte juste devant. Là, il faut pas que je me fasse avoir. Si, attention, il y avait deux portes. Je sais pas laquelle prendre. Bon, je pense plus celle-là. Je crois qu'il y avait une autre porte, ouais, mais bon. On va se faire ses ennemis. Parce que eux, ils sont casse-pieds. En fait, c'est des bombes... C'est des poissons-chats bombes. C'est normal. Il y a des pics qui nous barrent la route. Ah bah il y en a partout des pics. Ah et voilà. Par ici, moi. C'était magnifique. Quel combat acharné contre des petits scorpions.
Et comme vous voyez là, les têtes de robots là, ont une tête de... comment ça s'appelle déjà le truc là? Je sais ce que je voulais dire, mais bon. Ces trucs là, c'est la nouvelle espèce de ce Zelda là. Avec par exemple les petits quiz. J'avais dit Kokiri. C'est pas du tout ça. Non, c'est les petits quiz. Et aussi les Mogma. Ce sont les créatures qu'on a vues dans la précédente vidéo. Voilà. Qui sortaient de la terre, les taupes. Qui ressemblaient à Crash Bandicoot. Voilà. Bon, mais là, je comprends pas, faut aller où? Faut buter ses ennemis? Et ça a rien fait. Une échelle! Enfin! Ah oui, aussi, pour plus avoir de problème de graines, je me suis équipé aussi d'un sac de graines, voilà, un petit sac de graines. Voilà, comme ça j'en ai 30 au lieu de 20. Et moi qui ai tout le temps en cours de graines. Alors, dans le temple 1, c'était catastrophique. Bon, maintenant que j'ai le scarabée, ça pose pas trop de problèmes. Putain, il me fait peur lui. À cause de lui, je suis tombé. Je vais le tuer. Je vais le massacrer, je suis d'une humeur fracassante là. Comme dirait Jiraim. En vrai, il avait pas dit fracassante, mais je trouve que ça allait bien. Donc, ouais. On va peut-être le re-rencontrer. Bah oui, on le rencontre aussi à la fin. Ce Jiraim. Pas beau. Le méchant pas beau. Qui ressemble à une tapette. Faut le dire. Je l'ai pas dit, mais... Dans les précédentes vidéos, mais voilà, c'était ça. C'était ça mon ressenti. Une tapette dans un jeu de Nintendo, ça n'a jamais... C'est pas terrible, quoi. Voilà, on se fait quelques... Vous voyez, quand même, c'est encore utile, hein, ce petit lance-pierre. Merde, j'ai plus de graines! Non, je rigole. Ce petit lance-pierre est assez utile. Bon, même si on l'utilise à peine, et plus tard, on va avoir l'arc. Donc bon. Après, c'est un peu de la merde. Faut faire tomber ça, déjà. Pour être tranquille. Voilà. On va péter ces caisses. On va tuer ces machins. Ces petits scorpions. Et là, je crois qu'il y avait un coffre. Je suis pas sûr, mais il y avait un coffre. Putain, il y a un ennemi de merde là. Ah, dégage! Saleté! Pourquoi il crève pas? C'est pas possible! Mais dégage! C'est quoi ce truc? Il est plus résistant que les autres, lui. Faut s'enfuir! Purée. Ah, ils sont vraiment chiants ces ennemis. Heureusement qu'ils sont plus là plus tard. Oh purée. Alors, on va ouvrir ce coffre. Enfin, je dis heureusement, mais franchement, plus tard on a affaire à des ennemis plus simples. Je sais pas pourquoi. Sauf les gros gobelins. À part ceux-là, la plupart du temps ça va être des chauves-souris, des gobelins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avec plein de carnivores qu'on a l'habitude de voir dans Mario. Ben voilà quoi. Voilà, j'ai une poussière de fée. Ça m'aide pas trop. Ah, et c'est par là qu'on va avoir le sèche-cheveux le plus puissant du monde. Le sèche-cheveux 3000. Référence avec l'aspirateur. C'était quoi? L'Estoblast 3000 de Luigi, bien sûr. Je pense que c'est ça. Mince.
Sauf qu'au moins, l'aspirateur, c'est logique. C'est copié de Ghostbuster, alors que là, c'est... Je sais pas, c'est copié de femme de ménage girl. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors, on pouvait vraiment chanter on pouvait vraiment s'y croire dans Ghostbuster avec Luigi's Mansion, alors que dans Zelda, là, on peut se croire dans un jeu pour filles, femme de ménage. Voilà, vous nettoyez les... Putain, on va nettoyer un bateau avec ça. C'est bien. Sèche-cheveux 30 000, 40 000. Ouais, tellement puissant ce sèche-cheveux. On va sautiller avec la télécommande, oui. Ah bah voilà. Grâce à ce magnifique sèche-cheveux, on peut passer la porte. Cette jarre si belle, si mélodieuse, qui souffle je sais pas quoi. De la magie mojo ou peut-être du cannabis, mais c'est pas grave. Allez, on pousse ça par là. C'était juste un raccourci en fait. Ah, c'était juste un raccourci. Et très utile. Non mais au moins j'ai eu un objet en plus. Et ah, les fameuses chauves-souris. Oh oui, mon dieu. Mon dieu, une griffe de monstre. Oh là, là je suis aux anges les amis là. C'est incroyable. Attends, on peut pas l'avoir comme ça lui. Je déteste cela. En plus, regardez, quand on les multiplie, après ils peuvent se reformer comme avant. Parce qu'ils peuvent se fusionner entre eux. Ça peut être chiant. Donc fallait faire quoi là? Alors qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Bien voyons, on voit déjà la clé du boss par là. Hein. Je pense que c'est la clé du boss, je sais pas. Enfin, j'ai pas encore la... La comment? J'ai pas encore la carte du donjon. Ah mais j'avais loupé une porte, donc je vais retourner. Je pense que j'avais loupé une porte et... Ça se trouve, il y avait peut-être une petite clé ou une connerie. Mais c'est toujours comme ça que ça commence les donjons. C'est toujours une petite clé au début. Parce qu'au début, on est complètement paumé dans le donjon et... On peut ouvrir aucune porte. Bon, je pars là. Attention, pique, il n'y en a pas, c'est bon. Je me concentre là. Allez, mais le prince de Perse, il est pas en Link. Hein. Link, il arrive moins bien à faire à courir sur les murs. Bon, on va se faire cet ennemi. Au moins, avec le sèche-cheveux 3000, on peut pousser cet ennemi, donc c'est tranquille. On peut se les faire au cac maintenant. Ah non, mais on peut pas monter en fait ici. Allez, on peut pas monter. On ne peut pas monter. Ah, dégage, mais non. Oh, ce fail. C'était beau. Cette erreur incroyable d'Oliver Plasma. Non, mais sérieusement, je suis obligé de retourner à l'échelle. C'est super. J'ai pas grand chose à dire, mais... C'est magnifique. Je joue pas aussi bien que dans la précédente vidéo. Ça se voit. Hein. Ce donjon-là, il est plus compliqué. Oh là là, il faut que je nettoie ça, moi.
Ouais, bon, en fait, ça sert à rien, David. Je vois pas l'utilité. Oula, j'ai failli m'empaler. C'était beau. C'était magnifique. J'ai failli m'empaler. D'accord, ça souffle pas très loin. Allez, dégage, dégage. Il explose dans ton coin. On s'en fout. Dis au moins que tu me touches pas. Ah, c'est vraiment... ces ennemis-là, ils sont vraiment relous. Des poissons-chats explosifs. Je savais pas que ça existait. Voilà, on enlève toutes les crasses, on enlève tous les scorpions. Allez, on va le pousser. Allez, dans le mur, voilà. Enfin, sur le mur. Parce que dedans, il y a un petit problème. En fait, il fallait retourner ici. En fait, faut faire encore des allers-retours. Hein. Des allers-retours pas possibles. Enfin, mais c'est ça, hein, dans les temples. En fait, ça servait à rien de retourner là où j'étais, parce qu'on pouvait pas revenir. Là où il y avait le chronolithe. Ou le chronoglobe, je sais plus. Ah non, les chronoglobes, c'est ceux qu'on transporte. Parce que plus tard, on aura des chronolithes, mais qui pourraient être transportés. Donc ça, ça va être encore plus fun. Bon, mais bon, pour l'instant, on a que des petites énigmes avec les chronolithes. Alors, ouais, c'est là que j'avais oublié une porte. Bon, d'accord. Les ennemis, ils ont tous repopé. Là, ça sert à rien d'aller sur le tapis roulant. Attention, freestyle. Ouais, parce que si on tire, on est foutu. Voilà, ça fait bobo. Surtout que c'est, en fait, c'est les mêmes ennemis, ils sont copiés de... Purée. Ils sont copiés de... ils sont copiés de Zelda Wind Waker, là, quand on voit les espèces de tourelles qui nous tiraient des lasers. Sauf que ils étaient invincibles, sauf avec une flèche dans la gueule. Enfin, une flèche dans l'œil. Mais ceux-là, eh ben, on peut les avoir facilement sans les arcs. C'est juste que cela, c'est plus des machines du futur. Mais franchement, c'est vraiment les mêmes tourelles qu'il y avait dans Wind Waker. Ils ont exactement la même attaque. Une espèce de laser. Alors en fait, ça servait à rien, ça servait juste à ouvrir ce coffre. Ouais, ça servait à rien. Et je suis un petit vénard, oui. Oh non.